Et salut tout le monde, ça fait OK, on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un peu spéciale. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne N4SX Clan, ma chaîne YouTube du clan. Je fais cette vidéo là parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un CDT. Je vais pas le dire en vidéo parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube ou bien me faire bloquer la vidéo. Oh, t'as capté, t'as compris. Du coup voilà, ça sera écrit dans la description qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Et moi ce genre d'événement, c'est un événement que je ferai pas tout le temps. Ah, donc je vous montre tous les deux mois environ, exemple. Hein. Déjà là c'est un événement de test. C'est-à-dire que là on va tester en 30v30. Si cet événement est concluant et que tout le monde respectait les horaires et leurs promesses, ça pourra se faire à l'avenir, tous les deux mois, dans un clan. Bien évidemment, je vais t'expliquer comment on fait t'expliquer en détail. Alors, bien sûr, je vais pas te laisser à mon village en même temps parce que ça fait un peu mon village. Hein. Du coup, on va regarder un peu des replays de ma part. Hein. Que j'ai fait, hein, parce que j'ai carré un peu à GDC là. Non, je déconne, les gars, je vous taquine. Du coup, qu'est-ce que c'est un CDT? C'est un événement un peu spécial. C'est-à-dire, c'est un événement où je dois être au dernier moment. C'est ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que vu que le samedi soir. Enfin, pardon. Vu que je lance jeudi soir, le jeudi 22 février, vers 23h. Je vois une GDC en 30v30, c'est-à-dire pour ces règles-là, quand le jour du combat va commencer, qui est vendredi, vous ne devriez pas attaquer. Vous n'aurez pas le droit d'attaquer. Entre vendredi soir à jusqu'à samedi, jusqu'à. Tant que vous n'avez pas dit. Tant que vous n'avez pas du temps de départ, vous n'attaquez pas. Vous attendez. L'événement sera en direct live sur YouTube, TikTok ou Twitch, soit ce sera dit dans le clan ou dans la description. Déjà, on va commencer en. Du coup, on va attaquer vers entre 21h et 22h. Tout sera plutôt. Vers 21h, j'attendrai que j'aille me connecter sur le jeu pour voir si les gens sont connectés, qui vont respecter un truc. Mais vers 21h30, on ira attaquer. Première phase d'attaque. Qu'est-ce que c'est la première phase d'attaque chez nous, mon clan? La première phase d'attaque, c'est miroir. Qu'est-ce que c'est un attaque en miroir? C'est-à-dire que tu es le 5, bah tu devras attaquer le 5 en face de toi. Le vis-à-vis plutôt dire, voilà. Et bien évidemment, je sais pas si le 1 ou le 2, je laisse, c'est moi qui fais le 1 et 2. Ou bien on verra, je verrai avec mon collègue. Voilà. Et en phase 2, qu'est-ce que c'est la phase 2 les gars? La phase 2 c'est la plus importante aussi. C'est-à-dire, une phase 2, c'est-à-dire exemple, tu es HDV 12 on va dire. Exemple, t'es HDV 12. Et que tu fais un HD ton miroir. C'est-à-dire que tu rates 3 ton HDV 12. Si tu rates ton HDV 12 en face de toi. Bah, exemple, ce sera un HDV 13 qui ira le fermer à ta place. C'est-à-dire un HDV 13 on occupera de ta base. Que t'as pas perf. Ce n'est pas grave, les fails ça arrive. Je sais pas si les fails sont pas, mais voilà. Les fails, je sais pas si ça arrive, les fails. Enfin, les fails, ça arrive. C'est pas grave. Je vais pas t'engueuler, je vais pas te manger. Mais par contre, je vais te dire des conseils pour t'améliorer, pourquoi t'as fait, etc. T'expliquer ou l'erreur. T'inquiète pas, rien de méchant, moi je suis pas méchant. Hein. Je suis là pour aider et pour que le clan s'améliore. Voilà. Et par contre, bien sûr, si tu perds, bien sûr, si tu perds ton miroir, hein, c'est bien, hein, GG à toi. Tu devras, tu iras faire comme je dis, hein, tu iras faire un HDV. Exemple, t'es HDV 12, tu iras faire un HDV 11 qui est pas perf. Ou sinon, si tu es sûr de toi, tu attaques un autre HD 12 qui n'a pas été fermé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'un autre HD 12 qui n'a pas été perf. C'est-à-dire, le 12 que le collègue a fait, qu'il a fait là, bah tu le fermes, si t'as envie, si tu le souhaites, hein. Voilà, si tu penses vraiment le fermer. C'est toujours bien de voir que le clan s'implique et aide à fermer les bases ratées. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Aussi la phase 2, aussi vous perdez vos vis-à-vis, bah c'est GG à vous, hein. Alors après il faudra trancher, vous laisserez 5 minutes ou 10 minutes pour vérifier les bases des autres bases ennemies qui n'ont pas été perf. Et vous mettrez une enveloppe, vous mettrez un drapeau pour vous dire que vous devez attaquer. Parce que je vous dis, la phase 1 de guerre, la phase 1, vous devrez mettre un drapeau. Comment faire un drapeau? Bah vous cliquez sur la base et vous appuyez sur le plus. Et ça réserve aussi pour vous. Donc voilà. Après en phase 2, quand je vous dirai en phase 2, quand sera la phase 2,
Vous choisirez votre phase 2, votre base HDV11 ou 12 ou 13 que vous devez fermer. Vous mettrez un drapeau aussi, hein, n'hésite pas. Hein. Tu penses fermer, bah voilà, ça serait super. Hein. Ça va intéressant que tu fermes, etc. Là, bon, les gars, soyez vraiment là le samedi 24 février. C'est très important. Pour moi, c'est très important parce que c'est un événement que je souhaite vraiment faire depuis le début de ma. Depuis mon début Clash of Clans. Envoyer des vidéos, je me disais pourquoi pas faire ça dans mon propre clan. Ça peut être intéressant et peut être amusant. Tout ça, c'est fun. Les gars, je vous dis que c'est fun. Hein. C'est très fun. Hein. C'est amusant à faire ça. Vraiment, c'est amusant de faire ça. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Voilà. Du coup, j'espère que tu as compris le but. Si tu répètes, le but, c'est n'attaque pas vendredi soir, ni samedi, tant que t'es pas du top départ. N'attaque pas, s'il te plaît, vraiment, sinon ça sera un peu raté. Mais voilà, n'attaque pas. Tant que je l'ai pas dit, vous attaquez pas. Évidemment, voilà. J'espère que vous serez là. Bien évidemment, les gars, il y aura une liste dans mon clan, il y aura une liste. Je vais envoyer un message de clan pour expliquer que j'organise cet événement-là. Que si tu veux participer à le clan, ils auront plus qu'à me dire juste à me dire oui dans le chat hein, du clan en disant oui je veux participer, oui je. Là vous dites bien, vous marquez, bien sûr vous marquez dans la phrase, vous dites bien la phrase oui je serai là. C'est pour ça je serai sûr que vous serez là. Vous avez juste à me dire oui je serai là. Voilà. C'est tout ce que je veux hein, que vous soyez là au jour de l'attaque, au jour de l'événement. Évidemment, si t'as des doutes sur des compos, si tu veux t'entraîner, si tu veux un conseil de compo, n'hésite pas à m'en parler. Mon compte ça fait Rocky ou sur tous deux comptes. Hein. Tu me dis que t'es que l'HDV, tu me dis que tu vas prendre une compo, je t'apprends une compo si tu veux. Pour ma part, la compo sur la vidéo là, j'utilise la compo Zap Sorcière. Voilà, c'est une très bonne compo HDV 12 et 11. Mais bon, aussi, bien sûr, les gars, j'ai plein d'autres plein de compos hein, qui sont faciles à utiliser hein, en GDC. T'as juste à me le dire dans les commentaires, hein, enfin, dans les commentaires dans le chat du clan, et je t'apprends. Ou bien tu demandes à Chef Adjoint ou à Titi, que c'est un très bon joueur. Hein. Vous dit c'est un très bon joueur, il est un gros, c'est un perfecteur comme moi, comme pour d'autres membres du clan, c'est des gros perfecteurs mon clan. Du coup voilà. Du coup si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas à m'en parler, à m'en parler plutôt, voilà, je serai ravi de t'écouter. Sur ce, bah, je te dis à samedi soir t'as capté, à samedi soir sur YouTube ou sur TikTok ou sur Twitch, et je te dis à bientôt et bye bye. Hein.